J'ai démarré la danse avec Maria Fenley, qui m'a formée au classique, au contemporain, au jazz, aux claquettes. Et plus tard, j'ai eu un bel attrait pour la danse hip-hop. J'ai intégré à 19 ans le Centre national de danse contemporaine à Angers, auprès de qui j'ai peaufiné ma formation contemporaine. Et c'est là que, je crois, est né le goût pour la chorégraphie. Durant mes années d'artiste-interprète, j'ai eu la chance de travailler auprès de Pascal Montrouge, de François Vérune, d'Amala Dianor et Régine Choupineau. Et en 2012, j'ai décidé de monter ma compagnie, donc, qui s'appelle Ritz Company, qui est un diminutif de mon nom de famille. Mon aventure avec la Fédération française de danse a démarré très jeune, a été très intense et a duré un bon petit moment. La Fédération est venue me pêcher en tant que danseuse jeune espoir. Et à partir de là, j'ai fait des rencontres extraordinaires auprès de chorégraphes internationaux. Et je crois que ça a été un véritable déclic. J'ai démarré par des rencontres chorégraphiques en tant qu'enfant, donc en groupe, à l'âge de 10 ans. Ça m'a donné vraiment le goût à la rencontre, au concours, à la recherche. J'ai poursuivi à travers les rencontres chorégraphiques aussi, notamment en solo, qui a été à chaque fois des aventures extraordinaires. Donc je remercie la Fédération française de danse pour tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance du coup de boucler la boucle car la Fédération française de danse m'invite en tant que chorégraphe et jury, ce qui est très touchant me concernant. Je travaille aujourd'hui avec ces mêmes personnes qui m'ont propulsé, qui m'ont donné ce goût à l'effort, ce goût à la chorégraphie, le goût d'être au plateau et j'en suis extrêmement reconnaissante. Moi, il y a une phrase qui m'est restée et qui me reste très souvent en tête, et c'est pour cela qu'elle est souvent écrite dans beaucoup de mes dossiers artistiques. C'est une phrase sur laquelle aussi je m'appuie quand je suis au plateau, quand je crée, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas de moi. La danse ressemble à nos humeurs et un rien la rend imprévisible.